Un ballon voilà, avec Eton Debel. Ah, c'est bien fait de la part du Camerounais. Devant Randy N'Goyi, il s'est retourné. Il déclenche une frappe. Oh, ça passe juste à côté du poteau droit d'Edel. La première occasion du match, elle est vésulienne avec le Camerounais Jacques Eton Debel. C'est très bien ce qu'il a fait, on a vu. Il est plus à l'aise. Petit gabarit, beaucoup plus à l'aise sur ce... Il a tué l'échappement à le gazon, c'est comme ça qu'on dit. Et... ça passe pas loin, des Vésuviens. Ah ouais, mais enfin... s'appliquer sur les coups de pied arrêtés. On va bien frapper au premier poteau. Peut-être une reprise de Jeannet. C'est contré par Ouaro. Et sorti derrière. C'est un ballon délicat là pour Julien Jeannet. Il s'est bien retourné, le Camerounais. Accroché. Carton peut-être, non ? Cette faute de Clément. Ça s'appelle un acte d'antigieux, ça. C'est Guillaume Ouaro qui a appelé à l'ordre. Absolument, c'était bien vu, Jérôme. Hein. C'était Ouaro, le fautif, là, qui accroche Eton Debel par le maillot. Allez, Eton Debel, là, qui tente un débordement avec le tacle de Christophe Jallet. Ce sera une touche pour Vesoul. Thématiquement, ce sera compliqué. Parfait, hein. Ouais, tant qu'ils seront pour là pour le deuxième ballon, ça va, mais que ce soit étamé ou même sur les ailes, ils ont du mal quand même à avoir des grands ballons comme ça, jouer ces grands ballons, ces attaquants de Vesoul. Djebaïli avec un tour de belle. Voilà, ouais, ça passe, Djebaïli. Ludovic Joly, donc remplacé par Clément Chantôme, prochain arrêt de jeu. Eton Debel, l'extérieur du pied, c'est bien vu pour Djebaïli. L'extérieur du pied pour étamé. Allez, à l'opposé. Eton Debel qui s'est retourné. La frappe pied droit. Ouais, ça passe à côté de la cage d'Edel. Et je peux vous dire. Ouais, c'est quand même étonnant. Il a le temps de contrôler, se pousser la balle. Regardez, voilà le meilleur buteur.
This is Africa.